déjà nous expliquer le mal significatif au Sénégal. Et aujourd'hui, au niveau de votre ministère, si nous voulons que les organisations syndicales de l'ensemble des équipes de Kidjala, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que le Sénégal ne soit pas optimiste, ne pas en guerre, que vraiment le système sera apaisé et que ce sera que le bouquet soit venu maintenant. Il faut que les enseignants sachent que nous sommes les nous sommes les nous avons les élèves, les élèves, tous les acteurs sont identifiés et implémentés. Oui. Et partout, oui. Notre concert. Dans la dynamique de recherche de solutions pour notre système éducatif. Tout à fait. On va prendre C'est ça. Donc, le contexte, c'est quoi? On l'a souligné tout de suite. Il y a des perturbations qui compromettent le développement de la nation. Ces perturbations sont produites par, depuis 20 ans, une confrontation stérile. Une confrontation qui concourt à la construction des forces qui vont nous tuer demain. Il faut l'accepter, nos enfants vont nous tuer avec ces graves histoires. Nous sommes en train de construire de nos travail. Les citoyens de demain vont nous détruire, nous. Il y a un déficit d'engagement. Les organisations, en particulier les organisations de la responsabilité, ne prennent pas leur silence. Ils sont en train de dormir courageusement sur des oreillers de paresse. Ils nous disent facilitateurs. Ils nous disent médiateurs. Nous, nous avons nerf. Nous défendons l'élève. Nous devons mouiller nos mains. Nous ne sommes ni facilitateurs. Ni immédiatement. Nous défendons les intérêts de l'élève. Nous sommes dans l'engagement de ce que c'est de quelles sont les conséquences? C'est une expression. Les conséquences, on parle des enseignants qui ont des problèmes des élèves des autres. Mais regardez les expressions. Quand un pays est en tel que ça, c'est pas une expression, des expressions pertinentes pour analyser. Regardez ces expressions, débrayage, crève, quand on corrère. Maintenant, même les autorités nous disent allez se faire sauver. Allez se faire sauver, pas faire sauver. Il y a aussi des enseignants qui vont être exécutés à Fonda et des enseignements de qualité et dans un propre temps donné. Mais quand un scolaire, quand vous dites que vous n'êtes que primaire et secondaire, assainir, de notre génération. Personne. Dans la personne, les élections de représentants, tout le monde déplore le nombre préférentiel de syndicats. La difficulté, c'est que ce grand nombre de syndicats nationaux, c'est de pouvoir le terme. C'est ça la difficulté. C'est pour cette solution, mais c'est le taxi. Chaque fois, il y a des Et tout le monde est content. Et ce cœur-là, il n'a pas été éduqué dans le Je pense qu'on a même trouvé un début pour des candidats. Et sur peu, il y aura ces élections-là. Et on sera les représentants. Le gouvernement a l'appui des débrayages. C'est ainsi que nous n'avons pas fait du bien discuter en sérénité, de façon responsable, continue. Profonde, participative. Moi, ce qui se passe, c'est les élèves et les étudiants, qui sont les parisiens de l'école, qui souffrent. Nous, les parents, nous avons cher. Parce que nous voyons les mois qui sont en train de construire cette profil dans les écoles. Il y a des raisons. Ni dans les anciens, ces agressions vécues ni dans par les parents sont l'avenir. Tout le fondement de plusieurs raisons. Donc, j'ai salué dans mon intervention l'organisation de ce panel. C'est ça la voie. Nous ne
ressortirons de cette situation que par où sera cette situation? La concertation. L'État. L'interaction de tous les acteurs. Ne laissez que caractère à promouvoir le dialogue, promouvoir les discussions, mais promouvoir aussi la stabilité. On peut compter à revendiquer la stabilité. Il faut qu'on assure et garantir la stabilité du système. Le point de l'année l'Assemblée se déroule normalement. L'État qui doit payer. Que les revendications légitimes des anciens et des anciens soient prises en compte. Le gouvernement s'est engagé à respecter les engagements. Ça, les lois qui sont laissées ici. C'est ça son rôle, c'est ça sa mission régalière. Et jusqu'ici, les enseignants, espérés, avec les élections de représentants, avec le respect des engagements, nous verrons. Montre que ça se passe nettement.